Jim Douglas est bien content d'avoir un prétexte pour sortir de chez lui ce jour-là. C'est un dimanche. Un dimanche qui promettait d'être des plus sinistres. Florence, sa femme, a été d'humeur massacrante toute la journée du samedi et lui n'arrive pas à se faire à l'idée que sa belle-mère va vivre définitivement sous leur toit. À 7h15, le téléphone a sonné. C'était Mike Bride, de permanence à la compagnie ce week-end-là. À présent, il est 8h10 et Douglas se trouve avec Harry Starnes sur la terrasse du motel Louisiana. « Ils vont m'achever !» gémit Starnes en se tenant la tête à deux mains. « Pour M. Nelson, ça fera aucune différence que ça ait été un accident, il me mettra à la porte. »« Ça, je ne sais pas, M. Starnes, » dit Jim Douglas. « Pour l'instant, il me faut quelques dépositions, dont la vôtre. » Bien, alors, à votre avis, qui... Oh, c'est terrible, c'est épouvantable !» continue à se lamenter Starnes, les yeux fixés sur la piscine en contrebas. Le corps d'une femme est étendu sur le bord carrelé de bleu. Le médecin, arrivé avec l'ambulance, n'a pu que constater le décès. Avant que Jim Douglas puisse retenir à nouveau l'attention de Starnes, un policier en uniforme s'avance vers eux. « Qui êtes-vous et le directeur ?» demande-t-il. « C'est moi, monsieur l'agent, » dit Starnes. « Comment s'appelait cette femme ?» Starnes sort une carte de sa poche. « Eva Mulberry, » dit-il en tendant le Bristol à l'agent. « Son adresse est au dos. » « Vous êtes client ici ?» demande ensuite le fonctionnaire de police à Jim Douglas. « Non, je représente la compagnie qui assure la responsabilité civile de ce motel. » Le policier a un sourire sans joie. « Eh ben, ils vont vous en prendre un bon paquet. » Puis il se tourne à nouveau vers Starnes. « C'est vous qui avez découvert le corps ?»« Non, non, c'est le gosse là-bas, celui qui a des taches de rousseur. » Il désigne du doigt un petit garçon d'une douzaine d'années en train de se débattre pour échapper à la poigne d'une matrone boudinée dans un maillot de bain rouge. Le policier se dirige vers l'enfant. « C'est toi qui as découvert cette dame, petit ? Hein ? Ah ouais ? Et j'espère qu'elle n'a pas saigné ou autre chose comme ça dans l'eau parce que j'ai envie de me baigner, moi. » Le policier soupire, apparemment blindé contre ce genre de remarques, quel que soit l'âge de leurs auteurs. « Et tu te souviens de l'heure qu'il était ?» 7h, monsieur l'agent. T'en es sûr? Évidemment, rugit la mère du gamin. Dites tout de suite que mon fils est un menteur. Si c'est pas une honte, je devrais porter plainte contre ce motel. Pensez, sortir pour aller nager et tomber sur un cadavre. Bien, madame, bien, dit le policier en se tournant à nouveau vers Starnes. Personne l'a vu quand elle est tombée à l'eau? Starnes fixe le corps comme si la morte elle-même était à blâmer pour ce qui arrivait. Non, monsieur l'agent, elle a dû aller à la piscine de bonne heure avant que j'ouvre le bureau. C'est interdit, bien sûr, mais personne ne respecte le règlement. Elle est arrivée seule? Oui, oui. Elle a dit qu'elle reprendrait la route vers le sud ce matin. Pendant que le policier relit ses notes, son collègue le rejoint. Si t'as fini, Joe, on peut y aller. Et avec un coup d'œil furtif à Starnes, il ajoute... « Cet endroit va avoir une mauvaise réputation si ça continue. Déjà le deuxième cadavre en moins d'un an. » Starnes a un petit frisson et tourne les talons. Il se dirige vers son bureau. Douglas le suit. « Je suis fichu, monsieur Douglas, je suis fichu !» dit le directeur du motel en se laissant tomber dans un fauteuil. « Monsieur Nelson arrive demain et quand il apprendra tout ça, mais vous vous rendez compte, d'abord l'affaire Guilford et maintenant ça !» « Mais je vois. Et je peux vous dire en tout cas que ma compagnie ne renouvellera pas le contrat. La dernière fois, ça leur a coûté 400 000 dollars. » Jim observe Starnes et soudain, il a pitié de lui. « Oui, il y a de fortes chances pour que le propriétaire du motel ne le mette à la porte. Après tout, il faut bien que quelqu'un paie les pots cassés. »« J'irai volontiers plus au sud. » dit Starnes. On m'a offert il y a 15 jours un poste dans un nouveau motel près de Byington. 150 chambres juste sur la plage. J'aurais dû accepter à ce moment-là. Mais vous savez ce que c'est, hein, la loyauté et tout ça. Pourtant, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut même rien dire du tout. J'aurais dû le comprendre tout de suite. Il y a longtemps que vous travaillez dans l'hôtellerie ? Demande Douglas.
Près de 20 ans, monsieur Douglas. J'aime ce travail, j'aime ce milieu, voyez. Je me vois très mal faisant autre chose. Jim Douglas hoche distraitement la tête. Il y a un long moment de silence, puis il pose une autre question. À votre avis, monsieur Starnes, c'est arrivé comment? Starnes hausse les épaules. J'en sais rien, et en vérité, ça m'est égal. Hein. Il y a des gens tellement imprudents, tellement inconscients. Mais enfin, quelle idée d'aller nager si tôt! Douglas sort son carnet. Eh bien, je pense que je vais prendre les dépositions, dit-il. En même temps, il calcule dans sa tête que s'il se dépêche, il va pouvoir passer le reste de la journée à la pêche sans que Florence et sa mère en sachent rien. Starnes s'extrait de son fauteuil en passant une main lasse sur son front. Je crois que je vais écrire dès aujourd'hui à Steve de Byington. Starnes ne s'est pas trompé. Il est effectivement licencié sans préavis. L'affaire suit la procédure classique après que le jury ait conclu à une mort accidentelle par noyade. Peu de temps après, le mari de la défunte dépose une plainte pour négligence contre le motel Louisiana et demande $600,000 de dommages et intérêts. La compagnie d'assurance de Jim Douglas fait une proposition de transaction à l'amiable, une proposition qui est refusée. Avec les $400,000 de l'affaire Guilford en début d'année, le motel Louisiana aura coûté $1,000,000 à la compagnie en moins d'un an. Et bien entendu, elle ne renouvelle pas son contrat. Et le temps passe. Jim Douglas aurait sans doute tout oublié du motel Louisiana s'il n'avait eu quelques mois plus tard l'occasion de déjeuner avec un expert en assurance venu de la côte ouest. En parlant de choses et d'autres, les deux hommes en viennent à évoquer les accidents survenus dans les motels. L'expert californien semble particulièrement intéressé par un cas qui s'était produit 2 ans plus tôt dans son secteur. Le mari de cette femme a obtenu $500,000 de dommages et intérêts, dit-il. Et le directeur du motel, un type nommé Starnes, a été viré comme un malpropre. Jim Douglas repose soudain son couteau et sa fourchette. Vous avez bien dit Starnes? Hein? Ben oui, je crois que c'était son nom. Pourquoi? Non, pour rien de spécial. Sauf que... Enfin, j'avais un camarade de lycée nommé Starnes et qui s'est installé en Californie il y a quelques années. L'expert se frotte pensivement le menton pendant un moment. Ben oui, je crois bien que c'était Starnes. Harry Starnes. En fait, j'en suis sûr même. Un grand chauve, à peu près de votre âge d'ailleurs. Cette fois, Douglas n'a plus aucun doute. Harry Starnes, directeur de motel, chauve dans les 45 ans. Non. Ça ne peut en aucun cas être une coïncidence. Pourquoi Jim Douglas s'intéresse-t-il soudain tant à Harry Starnes? Par conscience professionnelle ou par simple envie de jouer un peu les détectives? En dehors de ses heures de travail, Jim Douglas se livre à une discrète enquête sur Harry Starnes. Par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, il obtient le nom de tous les endroits où il a travaillé pendant les 20 dernières années. Les résultats sont fort intéressants. D'abord, son Harry Starnes à lui et celui de l'expert californien sont bien une seule et même personne. Il apprend également que Starnes a la réputation d'être un brave type, honnête et efficace, mais d'un naturel plutôt instable. En effet, il a déjà à son actif 18 postes dans différents hôtels et motels disséminés un peu partout dans le pays. Douglas est tellement passionné par ses recherches qu'il commence à ramener les dossiers chez lui. Ce qui n'est évidemment pas du goût de son acariâtre épouse, qui ne s'est guère améliorée avec le temps, bien au contraire. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas quelqu'un pour t'aider? Demande Florence un soir. Tu ne nous sors jamais, maman et moi. Ils te prennent pour quoi dans ta boîte? Pour une bête de somme? Avec 3 bouches à nourrir, je dois travailler plus dur, répond Jim.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que maman te coûte trop cher? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Seulement, il me semble que ta sœur et tes frères pourraient participer un peu. Je vais plus rien entendre là-dessus, dit Florence avant de quitter la pièce en claquant la porte. Jim se replonge dans son passionnant jeu de pistes. Il parvient à remonter la trace de Starnes jusqu'en 1976 et il va de surprise en surprise. Partout où Starnes a travaillé, 11 motels en 10 ans, il est arrivé au moins un accident mortel à un des clients pendant la période où il a été employé dans les lieux. Et dans 3 d'entre eux, il y a eu 2 accidents mortels. Mais Jim a beau se triturer les méninges jusqu'à une heure avancée de la nuit, il ne parvient pas à établir de lien entre les personnes décédées. Elles étaient originaires des 4 coins du pays, d'âge et de milieux sociaux les plus variés. Jim s'obstine, tourne et retourne le problème dans sa tête. Il est persuadé qu'il y a une clé à cette énigme. Et sa persévérance est récompensée, car la solution finit par lui apparaître. Le lien ne concerne pas les personnes elles-mêmes, mais la cause du décès. Il est certain à présent que ces morts n'ont rien eu d'accidentel, mais il est certain aussi que Starnes n'a rien d'un maniaque de l'homicide. L'explication de toutes ces morts est bien plus incroyable, mais incroyable ou pas, Jim est convaincu que c'est la bonne, tout simplement parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Harry Starnes est un tueur professionnel indépendant. Jim Douglas, qui en a pourtant vu bien d'autres dans son métier, reconnaît avec une certaine admiration que le procédé utilisé par Starnes est des plus habiles et des plus efficaces. En consultant les dossiers, Jim s'aperçoit que l'assurance vie du défunt est généralement payée très rapidement et assez souvent, la mort étant accidentelle, le montant en est doublé. Il se rend compte aussi que dans chaque cas, les dommages et intérêts demandés sont très élevés et toujours accordés par le tribunal. Enfin, il constate que, quelle que soit la façon dont Starnes établit ses contrats, il le fait toujours de sorte qu'il soit impossible de jamais rien prouver. La seule chose qu'il n'a pas prévue, c'est l'intervention du hasard, ce hasard qui a éveillé un beau jour l'attention de Jim Douglas. Il est près de 2h du matin. Jim est épuisé par tant de nuits de veille, mais il jubile intérieurement. Il glisse tous ses dossiers dans son attaché-caisse qu'il ferme à clé en pensant à la prochaine étape de ce jeu passionnant. Confronter Starnes avec son passé. Le lendemain, Jim Douglas appelle le motel Louisiana et demande à parler à Harry Starnes. « Il nous a quittés depuis quelque temps déjà, » lui répond le nouveau directeur. « Mais vous devriez essayer le Bel Air. C'est un motel de Boynton. » Boynton est situé à 300 km environ, mais comme Jim Douglas sait désormais que Starnes ne tient jamais en place très longtemps, il se hâte de trouver un prétexte pour faire le voyage. Mais il a aussi une autre raison d'être si pressé. L'enivrante sensation d'approcher enfin du point culminant d'un travail qui lui a donné tant de mal. Il reconnaît Starnes dès qu'il pénètre dans le bureau du motel. Celui-ci le considère un instant d'un air indécis, puis avec un soupçon de gêne. Mais très vite, il retrouve la maîtrise de lui-même. « Ça, par exemple !» N'est-ce pas là, monsieur Douglas? Je m'étais pas rendu compte que Boynton était dans votre secteur. Mais ce n'est pas mon secteur. De plus, je suis sûr que cet endroit n'est pas assuré par ma compagnie. Il y a cependant une chose dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Si nous allions quelque part où nous ne risquerions pas d'être dérangés, monsieur Starnes. C'est dans le secret d'une des chambres du motel que Jim Douglas sort de son attaché-caisse la liasse impressionnante des documents compromettants qu'il a accumulés. À mesure qu'il en prend connaissance, Starnes devient de plus en plus pâle. À la fin, il a le visage couleur mastic et transpire abondamment.
Je dois dire, Monsieur Douglas, que vous, vous allez au fond des choses. Merci, Monsieur Starnes. Pourtant, voyez-vous, il y a un point qui m'intrigue. Pourquoi n'avoir pas changé de nom chaque fois que vous changiez d'emploi? C'est comme ça que j'ai tout découvert. Starnes hausse les épaules avec un sourire fatigué. Bon, à quoi bon changer de nom? J'ai jamais été accusé de quoi que ce soit. Tout ça n'a été que une succession d'accidents. Et puis, il fallait que j'aie des références. Il me fallait une carte de sécurité sociale. Et puis, je pouvais pas être syndiqué si le syndicat pouvait pas garder une trace de moi. Car dans ce métier-là, monsieur, il faut être syndiqué, vous savez. Ces grands motels ne peuvent pas confier leur argent à n'importe qui. Douglas hoche la tête. En effet, oui, c'est logique. Eh bien, dit Starnes, je pense que nous allons maintenant retourner à mon bureau pour que vous appeliez la police. La police ? Fait Douglas en haussant les sourcils d'un air étonné. La police ? Mais je n'y ai jamais songé, Monsieur Starnes. Ceci n'était qu'une entrée en matière, comme on dit. À présent, je voudrais vous parler de ma femme et de ma belle-mère. J'ai pensé qu'étant donné les circonstances, je pourrais sans doute bénéficier d'un traitement de faveur. Professeur Conrad, le directeur de l'hôpital, prétend que j'aurais pu empêcher toute l'affaire. C'est vrai, peut-être. Malgré tout, je me demande comment j'aurais pu prévoir une tragédie aux conséquences aussi graves et une telle nuit de terreur à partir de quelques mots prononcés à voix basse que j'ai surpris par hasard. Si le professeur Conrad est le directeur de l'hôpital, je suis son second, c'est-à-dire que je suis sur le terrain et que c'est à moi qu'incombent réellement toutes les responsabilités. Depuis le Vietnam, où j'assumais la fonction désespérante de médecin en première ligne, je souffre de migraines chroniques. Oh, je ne me plains pas, ça aurait pu être pire, si vous voyez ce que je veux dire. N'empêche que je me suis aménagé un coin migraine dans une petite pièce qui sert de débarras à côté de la salle de physiothérapie. Un endroit discret, reculé et sombre à souhait. Surtout en service de nuit. Cette nuit-là, un orage violent éclate et l'orage est chez moi synonyme de migraine. Il n'y a pas d'urgence, les services sont calmes. J'en profite donc pour aller m'étendre dans mon repère. Allongé sur ma chaise longue, je m'enfonce dans une bienheureuse torpeur quand j'entends les pas rapides et le bruissement à mi-donné reconnaissable entre mille des infirmières en déplacement. Elles entrent dans la pièce à côté et se mettent à chuchoter comme de jolies sorcières sur la lande. « Tu es sûr qu'on pourra avoir Norma ?» Ah, je reconnais la voix de Mademoiselle Kirk. L'infirmière-chef de l'Economa. Bien sûr, sans problème. Mais est-ce que ça n'est pas à aller un peu loin, Kirk ? S'inquiète une seconde voix. Oh, mais tout ça, c'est pour rire. C'est pour faire une farce. D'ailleurs, tu te rappelles quand elle a mis une araignée dans mon lit ? Il y a un moment de silence. Mon indiscrétion involontaire me met quand même mal à l'aise. Aussi, je ne fais aucun mouvement qui trahirait ma présence. La conversation secrète reprend. Bon, d'accord, Kirk, je suis avec toi. Mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Oui, oui, n'aie pas peur. Elle se disperse et se dirige vers la porte quand une troisième voix murmure. En tous les cas, moi, j'en suis pas. Bon, d'accord, Phyllis, on agira sans toi.
Elles s'en vont et je n'en entends pas davantage. La petite mademoiselle Kirk. Je ne devais plus jamais entendre sa voix. Plus jamais. Une sieste plus tard et ma migraine atténuée, je quitte mon repère et je vais trouver Shelley du service des urgences. Salut Dan, rien de neuf depuis tout à l'heure? À part l'orage et votre sieste, docteur, rien d'extraordinaire. Bon, dites-moi Dan, ça vous dirait une petite partie d'échecs? Ah ben j'allais vous le proposer, docteur. Dit-il en se levant lourdement. Nous longeons le couloir de la salle numéro 8 quand nous croisons quatre infirmières. Oh, je ne me rappelle que trop les détails de cette fin de nuit tragique. Les quatre infirmières viennent du hall et poussent une chaise roulante. Mademoiselle Kirk fait partie du groupe. C'est d'ailleurs elle qui pousse la chaise roulante dans laquelle est assise Norma Warden du service opératoire. Norma, hagarde, les cheveux en désordre. Norma, secouée de tremblements, les pupilles dilatées, le souffle saccadé, court. Mais que se passe-t-il, mademoiselle? Mademoiselle Kirk, pâle comme une morte, se contente de secouer la tête sans pouvoir dire un mot. Les deux autres infirmières ne valent guère mieux. Un quatuor de fantômes vomis par l'orage. Je me penche sur Norma. Sous sa peau glacée, son pouls bat la chamade. Je lance un coup d'œil interrogateur. La pauvre hoche encore une fois ou deux la tête et s'évanouit. C'est alors que je remarque qu'elle et Norma sont en pyjama, tandis que les deux autres sont en tenue de ville. Je me retourne vers Dan Shelley. Il est déjà au bout du couloir pour activer le service des urgences. Mais bon sang, que se passe-t-il, mademoiselle? Je veux une réponse. Docteur... Bafouille une grande blonde en tailleur classique. Et c'est tout ce qu'elle peut dire. Shelley revient avec son personnel de choc. Nous prenons les choses en main. Je me retourne vers les deux infirmières au moment où elles entrent dans l'ascenseur. Un détail me saute aux yeux. La blonde en tailleur classique balance un grand sac en perles de bois à bout de bras. Malgré le sérieux de la situation, ça me choque un peu. Exactement comme de porter une chemise écossaise sous un smoking. On se fait parfois de ces réflexions, je vous jure. En fait, il s'est avéré par la suite que cette réflexion n'était pas si idiote que ça. Quand le jour se lève, je regarde Dan Shelley verser de l'eau froide dans une éprouvette et la faire bouillir sur le bec benzène. C'est ce qu'il appelle préparer le kawa façon toubib. Mon vieux Dan, il s'agit, à n'en pas douter, d'un syndrome de choc très grave. Surtout dans le cas de Norma. Et puis, il y a un truc bizarre. Avez-vous remarqué les différents degrés de choc chez ces quatre filles? Norma, qui était dans la chaise roulante, était pour ainsi dire dans le coma. La petite Kirk, qui s'est évanouie, présente le degré suivant. Quant aux deux autres, celles qui sont parties, elles étaient simplement secouées. Et alors, docteur? Mon opinion est que ces jeunes femmes ont eu une peur presque mortelle. Je l'ai. Je ne crois pas si bien dire. Car à 7h du matin, Norma meurt. Et Edith Kirk tombe en état de catalepsie. À croire qu'en cette nuit d'orage, elles ont vu un fantôme. Mais les fantômes n'existent pas, c'est bien connu. Alors, qu'ont-elles vu en réalité? Service de nuit à l'hôpital de Newport, je surprends subrepticement les chuchotements de quelques jeunes infirmières en train de comploter. Oh, je me contente de hausser les épaules sans me manifester. Aujourd'hui, je pense que j'aurais dû faire quelque chose.
Quelques heures plus tard, en effet, je les ai retrouvées en état de choc grave, très grave, du sérieux, car l'une d'entre elles meurt à l'aube et la seconde tombe en catalepsie. Quant aux deux autres, elles ont disparu dans la nature et dans quel état, Dieu seul le sait. Le professeur Conrad, le directeur, m'a toujours fait penser à un cocker. Il vous considère d'un œil triste, son vieux visage plissé, encadré de deux grandes oreilles qui pendent de chaque côté. On m'a dit que vous étiez présent hier soir, Alex, quand cette navrante histoire a commencé. En effet, j'y étais, professeur. Savez-vous que Mademoiselle Hearn et Mademoiselle de Maras ont donné leur démission sans préavis cette nuit? Attendez, professeur, vous voulez parler de ces deux infirmières, là? Précisément, Alex, précisément. Pouvez-vous m'expliquer ce qui a bien pu se produire? Tout ce que je peux vous dire, professeur, c'est que elles ont eu une peur bleue. Quoi? Une peur bleue ici, à l'hôpital? Oui, à l'hôpital, professeur. De la terreur à l'état pur, j'en mettrai ma tête à couper. Et soudain, insidieusement, la conversation que j'ai surprise la veille me revient par bribes. Tu es sûr qu'on pourra avoir Norma? Mais sans problème. Dis, est-ce que c'est pas aller un peu loin? Sous ce jour nouveau, ces chuchotements anodins me font frissonner. Mais je décide de ne rien dire pour l'instant au professeur Conrad. En tous les cas, pas avant de plus amples renseignements. Je prends congé de lui. Sur le chemin du labo, je me souviens d'autre chose. Les dernières paroles de Mademoiselle Kirk. D'accord, Phyllis. On agira sans toi. Je téléphone à M. O'Neill, le chef du personnel, pour savoir s'il n'y a pas une Phyllis parmi les deux démissionnaires de la veille. À peine ai-je raccroché que mon poste de téléphone sonne, le professeur Conrad. Une chose me chiffonne, Alex. Je voudrais votre avis. Pensez-vous que nous devrions appeler la police? Grave question. Je réfléchis un moment. La question est grave. Elle mérite réflexion. Non, professeur, je pense que non. De toute manière, pas tout de suite. Inutile de donner une publicité navrante à l'établissement. Vous en êtes certain, Alex? Écoutez, professeur, je suis médecin, pas flic. Tout ce que je peux vous dire est que Norma est morte d'un infarctus. Et en général, on assassine autrement que par infarctus. Alex, vous oubliez de préciser que cet infarctus a été provoqué par la terreur. Oui, j'ai effectivement oublié de le préciser, professeur. Effectivement. Alex, ne pensez-vous pas que la police devrait examiner le foyer des infirmières de fond en comble? Oui, bien sûr, professeur. C'est un autre aspect du problème. J'avoue que c'est un angle sous lequel je n'avais pas envisagé la question. Eh bien, moi, si, Alex. Je ne tiens pas à provoquer des bavardages malveillants sur l'hôpital. Professeur, s'il vous plaît, accordons-nous 24 heures. La nuit porte conseil. Bonne nuit, professeur. Et je raccroche. Je me lève et je me sers un fond de whisky de ma réserve personnelle. Mon intuition me dit qu'une fouille en règle du quartier des infirmières serait vaine. Non, je pense que la réponse se trouve dans leur tête et non dans leur armoire. J'hésite devant un second verre de whisky quand M. O'Neill, le chef du personnel, me téléphone. Alex! Il n'y a pas de Phyllis parmi les fugueuses. En revanche, il y a une Phyllis Minetti qui les connaît très très bien. Vous vous laissez coordonner? Cette question. J'ai déjà vu plusieurs fois Phyllis Minetti, la petite infirmière, dans la salle 3. C'est une petite blonde, potelée. Je la reconnais immédiatement quand elle entre dans le labo une demi-heure plus tard. Excusez-moi de vous avoir dérangé chez vous, mademoiselle Minetti. C'est gentil de votre part d'être venue. Oh, je me doute de ce dont il s'agit, docteur. Ah bon? Oui, l'histoire de Norma et des autres. C'est ça? C'est ça, mademoiselle Minetti. Dites-moi, avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé? Non, docteur, non, pas la moindre. Ah, c'est curieux, mademoiselle Minetti. Pourtant, hier, vous êtes entrée dans le débarras à côté de la salle de physiothérapie avec au moins deux autres infirmières. Vous vous rappelez?
Si sa surprise est évidente, elle ne manifeste aucune émotion. Vous nous avez vus, docteur ? Oh, je ne vous espionnais pas, croyez-moi, mademoiselle. Je me reposais sur une chaise longue. Puisque vous y étiez, docteur, vous devriez savoir que je n'ai rien à voir avec cette histoire de main. Là, vous voyez, j'aurais dû être plus attentif à sa réponse, car je me contente de dire... Mais je sais bien, je l'ai entendu, mademoiselle, mais vous pourriez peut-être m'éclairer davantage. Je refuse d'être impliqué dans cette sale histoire, docteur. Mais enfin, mademoiselle, ça n'est pas un roman policier, voyons. N'empêche que Norma est morte et que Kirk a perdu l'esprit apparemment pour toujours. Quant aux deux autres, vous voyez dans quelle situation ça nous met. Mademoiselle Minetti, je suis presque certain qu'il s'agit d'une farce, une espèce de farce idiote qui a mal tourné. Kirk n'a-t-elle pas parlé d'araignée glissée dans son lit ? Vos deux autres amis ont vraisemblablement été pris à leur propre piège. Un fameux piège, d'ailleurs. Mademoiselle Minetti secoue la tête obstinément. Pourquoi s'adresser à moi, docteur ? Vous savez que je n'y suis pour rien. Demandez plutôt à Rose Demarest ou à Marjorie Hahn. Elles y étaient, elles. Bon. Très bien, mademoiselle. Merci d'être venue me voir. Bonsoir. Tard dans la soirée, je vais avec Shelley rendre visite à mademoiselle Kirk. Il n'y a, hélas, aucun changement. Elle est bel et bien en train de perdre l'esprit définitivement. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui a pu leur inspirer une telle trouille ? C'est dans la salle de repos des chirurgiens où nous nous sommes arrêtés pour bavarder que je comprends soudain. C'est comme si j'étais frappé par la foudre. Sans le savoir, Phyllis Minetti m'a donné l'explication. Je n'ai rien à voir avec cette histoire de main. Au mur de la salle est épinglé le programme des opérations chirurgicales communiquées à la date d'hier. Sinus pilodinal, Dr. Scheer, 9h. Laparotomie pour sondage, Dr. Hauser, 11h. Amputation de la main, Dr. Moran, 14h. En lisant machinalement la dernière intervention, je me souviens, par Dieu sait quel rapprochement, du sac en perles de bois que la grande blonde en tailleur classique balançait à bout de bras. Et automatiquement, les mots de Phyllis Minetti me reviennent. Je n'ai rien à voir avec cette histoire de main. Bon Dieu, la main était dans le sac. Ces demoiselles se sont d'une manière ou d'une autre procurées cette main pour faire une farce, si j'ose dire, à la pauvre Norma. Le diligent M. O'Neill parvient à joindre la grande blonde au sac, Rose de Maras. Elle s'est réfugiée dans sa famille à Parangon Falls. Je lui demande de venir me voir à l'hôpital le plus vite possible. Bien évidemment, comme je m'y attendais, elle refuse. Finalement, après avoir eu recours aux menaces, elle accepte un entretien. Et alors, mademoiselle de Maras, je vous écoute. La pauvre fille est au bord des larmes. Si on avait su, docteur, mon Dieu, si on avait su. Ce qui est fait, mademoiselle de Maras. Allez, je vous écoute, racontez-moi tout ça. Kirk et Norma n'arrêtaient pas de se jouer des tours, docteur. Oh, ça remonte à loin, ça remonte à leurs études. Dernièrement, Norma avait trouvé drôle de glisser une araignée dans le lit de Kirk. Évidemment, des représailles s'imposaient, n'est-ce pas? J'étais en salle d'opération au cours de l'amputation de la main, mais au lieu de porter la main en biopsie, comme j'aurais dû, je l'ai donnée à Kirk. Ce soir-là, Kirk et Norma sont allés se laver les cheveux. C'est pour ça qu'elles étaient en pyjama. Kirk a attendu que Norma s'en aille pour aller glisser la main amputée sur son oreiller. Il y avait un orage terrible ce soir-là, docteur. Les éclairs se succédaient sans arrêt. Kirk a trouvé drôle d'enlever l'ampoule de la chambre et celle de la table de chevet pour que la main soit éclairée par les éclairs de l'orage. Nous étions cachés dans la chambre en face. Nous regardions par la porte entrouverte. Norma est entrée dans sa chambre.
Nous avons entendu le déclic du commutateur. Et puis, tout à coup, un hurlement horrible. Horrible, docteur. Nous sommes sortis immédiatement. Kirk a ouvert la porte de Norma. Et puis, elle a hurlé à son tour et elle s'est évanouie, mon Dieu. C'était horrible, docteur, horrible. La main bougeait sur l'oreiller. Comme une araignée, elle bougeait. Allons, calmez-vous, mademoiselle de Marras. Et écoutez-moi bien. La main ne bougeait pas, elle ne pouvait pas bouger. Ce sont les éclairs de l'orage qui vous ont donné cette horrible impression. Mais mademoiselle de Marras ne m'écoutait déjà plus. Elle venait de pénétrer à son tour dans l'univers de la folie.